Environ 500 familles dans la commune Les Anglais, département Sud, recevoir pendant le week-end là, appareil de mettre point à la Caillou, dans le cadre du programme Paypam Crise. Président Chambre député a souhaité qu'il passe mes qui fait avant longtemps dans le cabinet ministériel là. Député Garibodo fait connaître, il a déjà rencontré le président Jovenel Moïse sous dossier ça. Doyen tribunal première instance Saint-Marc, M. Noé Pierre-Louis Massillon, réélu comme représentant tribunal première instance dans le Conseil supérieur du droit judiciaire CSPJ, dans le cadre d'une élection qui est organisée mardi 10 avril. Amis téléspectateurs, gros bonsoir pour nous tous. C'est toujours un plaisir pour entrer la CAIO et présenter au journal Mi-temps Journée en télévision nationale d'Haïti. N'a démarré journal là qui information qui concernait programme CAIPAM Clairé qui arrivait dans la commune Les Anglais dans le département Sud pays. Pendant le week-end passé, il y a environ 500 familles recevoir appareil pour mettre courant la CAIO. Un reportage avec Anne-Marguerite Auguste. Bénéficiaires ont remercié le président République là qui permet en poule le mettre la CAIO. D'après eux, yo te kon dépenser en pile cob na acheter galen ak bois pain. Utilisation moyen sa yo te kon représenter un danger pour vie yo. À travers de ça, bénéficiaire yo di yo senti yo pas pour compte yo. Yo croit matérialisation promesse électorale ça, c'est un signe qui montrait président Jovenel Moïse bay moun k'ap viv dans zone reculée yo même importance à moun k'ap viv dans ville yo. Di gouvernement Jovenel la merci. Pour bon travail qu'elle a fait et demander le pour continuer le travail là et tout. Nous dit président Jovenel merci parce que nous faisons travail pour lui, nous commençons à récolter. Bah il a changé parce que longtemps Tibet a demandé de battre Kawel et bien qu'on y a là quelque chose à côté de lui mal. Bah lui parce que nous t'en fait nous à qu'on y a nous en clété. Azek ak magistrat les Anglais a salué engagement chef l'État en faveur monde qui vivent dans zone reculée. Nous demandons au gouvernement pour continuer avec section à toute section. Pour nous faire continuité route là ensemble, parce que nous avons volonté pour nous travailler. Nous demandons au président et puis pour le travail main dans la main ensemble avec nous dans toute activité zone. Là. Il faut éclairer Kayo et puis si nous sommes capables de joindre lumière la Kayo pour étudier. Donc on parle dans toute façon si nous sommes capables de progresser puis vite dans l'éducation capable de joindre pour étudier. Vice-délégué et député les Anglais a fait connaître l'initiative ça président République la prend pour bay catégorie moun sa yo courant. C'est permettre de participer dans les efforts qu'a fait pour voir une autre image de pays. C'est un monde qui travaille, qui a lutté pour le peuple. Là. Et pour ma section des Anglais, continuer à bailler hommage encore une fois de plus pour le président ça qui pensait à eux-mêmes, bien que le président a pensé pour tout le pays. Là. Cette lente tête gridape qu'on utilise là, je dis grâce à la promesse de campagne du président Jovenel, que moi-même j'ai accompagné pour le président, il a honoré la promesse de campagne envers les paysans. Avant de remettre la population à l'appareil là, bénéficiaire suivent pour comprendre plus bien comment vous pouvez utiliser l'appareil. Nous permettre aux familles qui vivent dans une zone isolée, qui ont accès avec un système qui a une capacité pour y alimenter 3-4 ampoules. Pour lui connecter deux ports pour charger téléphone et puis ensuite qui permettent maintenant et un poste radio côté capacité en communication avec le gouvernement local là en cas de catastrophe naturelle ou bien pour tout programme éducatif qui était capable de mettre pied. C'est un programme président fait dans le cadre d'électrification rurale qui est basé dans trois axes électrification 24/24 président Paléa. Donc là dans le président subventionné qui là il bail 50% et puis il quitter bénéficiaires pour 50% ou même qui a 24 versements. C'est monde qui vivent dans zone reculée yo côté qui pas gain infrastructure courant cap bénéficier appareil pour mettre courant la caillou. Bénéficiaires yo remercier président Jovenel Moïse pour engagement ça et puis mandel pour pencher sur l'autre problème zone reculée yo a fait face. Merci Anne ak Hervé. 8e sommet international sous finance qui a déroulé sous thème financer l'agribusiness en Haïti a déroulé dans Pétionville pour deuxième journée en atelier en travail organisé sous microfinance financement agricole en Haïti avec état des liens sous secteur agricole là dans pays a un reportage avec Sainte-Croix Paki. Pour deuxième journée sommet international sous finance là avec troisième édition Fintech là débat chita sous microfinance financement agricole en Haïti et puis opportunité secteur agricole là offri. Directeur général Conseil national coopérative là Serge Chéri expliquait si CNC engagé pour renforcer le secteur agricole là. La direction générale du Conseil national des coopératives que je coordonne commence à se pencher sérieusement sur les stratégies d'encadrement à apporter aux dures
et tenaces travailleurs dans tous les secteurs de production à travers tout le pays par le biais des directions départementales qu'on est en train d'instituer. Aujourd'hui, la philosophie active de la coopérative doit consister à aller vers les combattants, les espoirs, les secteurs de production professionnels et amateurs, les entendre, les former, les accompagner incessamment, les renforcer en les orientant vers une production plus efficace. Représentant USAID en Haïti, John Thomas, dit qu'il continue à financer ensemble projet cap exécuté dans le domaine agriculture. Le gouvernement américain apporte son appui au secteur de microfinance en Haïti depuis près de 20 ans. Je vous remercie nos partenaires de DAI et WOKU, des projets finance inclusive et finance pour tous, qui mettent en œuvre un nouveau volet de notre support à l'inclusion financière en Haïti, en appui à la stratégie nationale d'inclusion financière du gouvernement haïtien. Tout le monde sait que le manque de capital constitue une contrainte majeure au développement économique d'Haïti. Le niveau d'investissement ici est très inférieur à celui des autres pays de la région. Ce problème nécessite des approches basées sur le marché. Et c'est pourquoi l'approche de l'USAID s'est focalisée sur la mobilisation du secteur privé pour élargir l'inclusion financière et augmenter l'investissement en Haïti. Président, directeur général groupe Croissance Lan, Kester Farel, attire attention aux autorités sur la nécessité pour investir dans le secteur agricole pour renforcer l'économie pays. Nous-mêmes, nous n'avons pas d'autorité publique. Nous prenons les indicateurs, nous montrons exactement comment la situation économique est dans le secteur rural. Là, nous voyons que c'est catastrophique. Donc, si nous voulons relancer, il faut mettre plus de projets d'investissement. Ce n'est pas seulement la semence, il faut avoir une infrastructure parce que si ça n'a prôné, c'est la chaîne de valeur. Il y a plusieurs maillons dans la chaîne. Là. Côté me retirer les produits à un dans le champ pour mener sous table, nous-mêmes, le Port-au-Prince. Là. Mais en tant que maillon, ça est solide. Donc, agriculteur haïtien a bataille. Soit quitte agriculteur haïtien, j'ai fonctionné depuis 1804, c'est jodi, la même bagarre là. On va voir que agriculteur dominicain pour caler une plate couture. Nous avons concours que nous faisons les agri-pitch, c'est des jeunes qui pas de terre, mais ils pour porter un certain positionnement pour permettre que le produit soit capable d'arriver dans le secteur rural là beaucoup plus facile. Dans le cadre du déroulement 8e édition Sommet international sur financement, plusieurs thèmes à débattre, parmi eux microfinance, finance publique, système bancaire haïtien. Yon activité kap bout 14 avril kap vini la. Toujours sous même dossier, sénateur ouest la, Patrice Dumont, qui a participé dans la 8e édition Sommet international sous finance lan, félicité groupe Croissance qui organise activité ça, kap offri possibilité pour discuter sous production agricole là en Haïti. Yon l'autre côté, sénateur ouest la, Patrice Dumont, mandé la justice pour résoudre problème habitants kap pedite yo. Mais vite au suivi, yon bout dans la déclaration. C'est un moment important chaque année, groupe Croissance organisé rencontre en ça et li permettre moun kap occupé de pays an, sénateur yo, les députés, les maires, kazek, président ministre et puis société civile là haïtien gagner au moins une photographie de ce qui a passé dans le pays du point de vue finance publique. Et Anessa, c'est sous l'argent qu'il a prêté pour le monde qui a fait jardin. Et l'important, et ensuite, à l'heure là, moi, avant de faire une interview avec Roi, moi, je suis deux interventions sous microfinance. Et ça permet de nous avoir une série de données et que nous avons approfondi. Après, lorsque vous mettez données ça, vous amenez nous directement. Par exemple, que c'est vrai, nous connaissons déjà par rapport au fait que nous travaillons sur le budget, que 82% de l'investissement qui est fait avec l'argent PIA, c'est dans la région métropolitaine qui est fait. Ça veut dire que la Gouna pas joindre, ça veut dire Cognon Grand Bois pas joindre, Fonverette pas joindre, etc. De faut nous équilibrer quand même dépenses, investissements un peu plus. Premier côté pour la justice travail, et pour que l'agriculture existe tout bon vrai dans le pays, c'est à faire voler terre.
Léogan, par exemple, ça gagne 2 semaines. Yo mettait du feu. Moi dis bien, yo mettait du feu. C'est pas du feu qui prend par accident. Yo mettait du feu sous dans 20 carotaires. Gagne 150 carotaires que tout le monde connaît qui est qui propriétaire li. Ce sont les bouchereaux, mais que gagne des spécialistes volontaires qui apnuit monde qui fait agriculture. Si chaque fois un monde qui gagne tel et puis lui fait un petit production là-dedans et production ou bien yo vin nuit chaque fois, pas connaît est-ce que l'a capable faire récolte là, est-ce que l'a capable et bien pas capable gagner agriculture. Robert Pareil Junior rentré mardi 10 avril là dans galerie Lonef Finance Groupe Croissance mettez sous pied pour honorer acte dans secteur finance avec la banque Capozac, Unibank, chez la Ludia Florentin, BNC, Sogebank, Trésévoir, Placonné avec mérite pendant soirée ça qui était réuni professionnel la banque avec finance. Soirée distinction ça, c'est une tradition qui m'a rendu avec organisation sommet international sous finance Groupe Croissance. L'autre information dans le journal ça, consultation a commencé en président République là, Jovenel Moïse avec Parlement, sous possibilité pour faire remaniement dans le cabinet ministériel là. Président Chambre député Agari Bodo confirmé, président Jovenel Moïse chita palé à Kli, lundi 9 avril là, côté yo discuté sous question remaniement. Chef l'État chita palé tout à bloc majoritaire dans Chambre député a, mardi 10 avril là, côté yo échangé sous même question ça tout. Toujours selon président Chambre député a. Yon extrait dans micro Fidèle Confident avec Moïse Webridge. Interpellation ministre justice là a fait le 26 avril. Mais d'ici là, nous connaissons pour gagner un remaniement ministériel qui est imminent. Donc nous pouvons connaître qui ça a fait dans ce sens. Il faut que nous disions que l'ensemble des dossiers ça yo, nous gardons. Le président a présenté nos 7 axes prioritaires qui ont rapport à la vision du gouvernement. Non? Parce que nous sommes très inquiets et nous sommes des remaniements. Parce que nous-mêmes, nous avons une propre opinion par nous sur la performance du gouvernement. Mais je dis à son remaniement qui a fait par rapport à une vision de la gestion de la chose publique par rapport à des problèmes conjoncturels qu'a posé là, mais des problèmes à long terme tout. Mais il faut nous connaître remaniement li du ressort du président de la République et du Premier ministre. Donc le Parlement est peut-être informé, etc. Mais au niveau des différents blocs qui te permettent que le gouvernement monte, ensemble de préoccupations nous gagnent. Donc comme président de la Chambre des députés, donc il y a des discussions qui faites, discussions va continuer toujours sur remaniement. Il faut que nous disions que le processus là est enclenché. Pas oublier au niveau bloc majoritaire que mon bloc majoritaire comme président de la Chambre, pas dans aucun bloc, mais comme Gary Bodo, nous connaissons même fondateur un bloc qui est l'APH. Il y a des députés influents tant que député Francis Delacrousse et qui va ultimatum même pour gagner remaniement. Donc, les députés de la Cour sont députés très influents dans la majorité. Donc, il y a un pilote collègue qui est sous la même position avec elle. Donc, il y a son secret de polichinelle. Donc, il y a, est-ce que son remaniement qui a fait à 60 degrés ou bien à 90 degrés, est-ce que c'est 8, c'est 10, c'est 5? Donc, moi, je pense que c'est 8, c'est ta opinion, Pam. Il y a l'autre collègue qui pense que c'est 6 au niveau du palais, il y a l'autre chiffre qui baille. Mais nous-mêmes, nous gagnons. Nous avons des idées claires sur qui nous pouvons retirer, sur qui nous pensons qu'il va régler un rien dans le gouvernement. Réseau Sipotez Jovenel Moïse mandé pour le président de la République là, fait un passe-semaine dans le cabinet ministériel là, sans perdre du temps. Dans une conférence pour la presse, mardi 10 avril là, membre organisation SAYO dit qu'il y aurait été quoi? Promesse électorale avec programme chef l'État avancé plus vite avec un nouveau cabinet ministériel qui a sorti en majorité en dents estrictes qui a milité avec le président Jovenel Moïse depuis l'élite dans la campagne là. Henri Paetrus, coordonnateur général, et puis Jean Mandnave, délégué national réseau Sipotez Jovenel Moïse a expliqué. C'est toujours même leader. Continuer, corriger, innover. C'est pour bonjour correction faite dans le cabinet ministériel. Là. C'est pour bonjour correction faite dans le cabinet ministériel. Là. Comment pour cabinet ça, tabaye lentement, peuple à tapton. Chaque ministre, après des affaires, pas yo. Il n'y a pas de jambe quoi dans aucun programme politique. Peuple là, lui-même te quoi.
fois ça, pas de chantage ni de bonheur. Faut qu'il y ait un cabinet ministériel et ministre qui croit dans le programme peuple. Président a un programme qu'il a dans l'élection. Faut que c'est le même programme ça qu'il doit appliquer pour être capable de respecter et saleté dit dans la campagne là. Pour être capable de satisfaire le peuple là. L'autre série de ministres qui sortent dans l'autre parti politique, l'autre série de ministres, c'est la force qui mette eux. Parce que les nègres ont le pouvoir, ils disent, pour me voter un premier ministre pour vous, il faut avoir deux ministères. C'est comme ça que ça fait. Le ministre n'a pas pris le suivre programme politique pour le président Guéant, ni le premier ministre. Là. Ça fait son gouvernement déjà divisé, pas un ministre qui dit, la suivre. Et plan politique ni programme premier ministre l'a parce que tout gain politique pas au vin faire ça fait c'est peuple la cap souffri c'est peuple la cap payer ça nous même pour président capable rete sincère capable rete dans sens peuple la te vle là pour le toujours voter pour après 5 ans faut qu'il change gouvernement pour l'appliquer programme politique par là. Le dossier dans le journal là, la police nationale d'Haïti a arrêté 5 nan présumés bandits qui tapent 6 000 troublés dans le quartier Matissan, Bolos et Cité de Dieu pendant le week-end passé, selon le secrétaire d'État sécurité publique là, Ronsard Saint-Cyr. Le secrétaire d'État sécurité publique là a précisé qu'il a continué le travail pour contrecarrer l'action bandits et puis créer conditions pour la population ainsi qu'il est libre et libre. Il y a un extrait dans le micro de Johnny Arby Kasséus. Image qui a fait circuler qui pas grand avec vous. Il y a deux bagages que moi faut que moi c'est bagage depuis longtemps que vous mettez sur ça qui a passé. Tout le monde connaît que l'autre bois a fait de conflits armés, n'est pas pour espace, un bandit qui a pour gagner priorité sur telle zone. Il y a des tirs que tout le monde entendait. Mais j'ai fait alerte là, surtout au niveau diaspora, c'est pas comme ça lié. Par affaire de 15-20 millions de monde qui va arriver. Jusqu'à présent, nous c'est un grand cas de décès commun qui nous identifie. Rapidement, nous faisons réunion avec la police, avec la justice. Nous sécurisons le périmètre là. Nous avons circulé entre Port-au-Prince et Carrefour. Je ne suis pas coupé avec l'Ouest à cause de ça. Ce n'est pas vrai. Nous avons fait présence dans le périmètre. Ce que nous pas dit que nous avons attaque qui a fait, nous la police va faire intervention. Mais cependant, cependant, le policier, comme policier, il a pour défendre depuis ceci dans le danger. C'est en clair sur ça. Donc, nous avons travaillé sur cette question, nous avons pris plus d'informations. Il y a 5 bandits qui sont arrêtés, qui sont liés à la zone Zayo, mais qui nous prend la Port-au-Prince et Delma, qui a fait leur activité, qui sous contrôle la police. Nous avons continué à mener l'investigation, nous avons continué à mener l'opération, parce que les gens qui sont là, sont zone plein de bandits. Mais tout le monde n'a pas bandit. Il y a des gens qui sont victimes parce qu'ils sont arrivés de l'autre côté, qui sont victimes déjà le fait que les sous-contrôles ont été de bandits parce qu'ils sont pauvres et ils vont dépasser. Donc on ne peut pas faire opération n'importe qui pour ne pas tomber sur les situations que nous n'avons pas souhaité tomber là-dedans. Donc voilà, c'est tête frette. L'État compte ça pour le faire. La police, la justice, le secteur public compte ça pour le faire. N'a pas travaillé pour ça. Résoudre. Pas grand affaire de une zone de nos droits sur 27 km². 26 avril, c'est date conférence président dans la Chambre députée à Kimbé pour déroulement séance interpellation. Ministre Justice et Sécurité publique là, M. Eddy Fortuné. Il n'a pas le mandat interpellateur, député Franck Lauture, fait qu'on est des dispositions qu'on prend pour séance l'en fait. Parlementaire encouragé, député au présenté dans la séance ça. Excellent micro, Fédéral Confident, avec Moïse Webrich. Et la conférence des présidents a arrêté le 26 avril comme date de la séance d'interpellation du ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Donc, que je sache, je n'ai pas regardé avec bureau si la lettre a été notifiée au ministre. Le bureau se doit de notifier la lettre au ministre. Et moi, je m'attends à ce que le 26 avril, la séance ait lieu pour que définitivement le ministre soit fixé sur son sort. Mais ça qui est difficile ici, c'est que
et député yo yo pas vraiment vinn nan séance d'accord dit de manière régulière et en quantité suffisante pour que l'assemblée a fait séance. Et là je veux interpeller les collègues pour que yo vinn nan séance de telle sorte que séance là ka gen lieu convenablement. Il y a parlé de remaniement ministériel, même penser que le parlement li doit jouer pleinement et souverainement sa partition, et c'est lui qui décide de manière souveraine comment jouer partition en termes de contrôle. Donc ceci n'empêche pas cela. Donc il est capable toujours remanier cabinet là, mais pendant que l'Assemblée des députés a joué partition. Doyen tribunal première instance Saint-Marc là, Maître Noé Pierre-Louis Massillon, réélu comme représentant tribunal la première instance dans Conseil supérieur pouvoir judiciaire CSPJ. Dans l'élection qui fête mardi 10 avril là, dans Pétionville, Maître Noé Pierre-Louis Massillon, qui pas de candidat en face lui, remporté élection ça avec 176 votes sur 180. Président CSPJ, président commission justice dans Sénat, plusieurs professionnels dans le système judiciaire étaient sous place dans le moment élection ça. Falan Delphin et Frenel Toussaint étaient présents pour TNH. Juge instruction et doyen tribunal première instance qui sortit dans 18 juridictions dans le pays a réélu maintenant Pierre-Louis Massillon comme représentant des pays dans le CSPJ. Sous observation groupe Défenseur Plus, GOL, POHDH, ANAMA, sous 180 votants, doyen tribunal première instance Saint-Marc-là remporte l'élection à 97,77 voix. Massillon Noé. Massillon Noé Pierre-Louis. Noé Pierre-Louis Massillon. Noé Pierre-Louis Massillon. Massillon. Noé Pierre-Louis Massillon. Maintenant, Noé Pierre-Louis Massillon, candidat unique pour POSA, remercie les collègues liés pour confiance qu'ils ont placé dans lui pour l'exécuter tâche si là. Maître Massillon promet qu'il prend l'engager pour travailler dans l'intérêt pouvoir judiciaire. Certes que le candidat Massillon est un rude travailleur, un visionnaire au niveau de la magistrature. Ses prétentions ne sont pas dénuées de vérité, car votre représentant, au cours du temps passé déjà au Conseil, n'a jamais été un bureaucrate, mais de préférence un conseiller qui n'a pas marchandé son temps, son savoir-faire, son savoir-être pour porter bien haut les intérêts supérieurs du pouvoir judiciaire. N'a pas rappelé, maintenant Pierre-Louis Massillon se passe de l'année à 6 mois comme représentant tribunal première instance dans CSPJ. Après l'élection, ça, l'a rentré en fonction 3 juillet qu'a venu là. Merci Faland ak Toussaint. Député circonscription Jérémy Gladys Saint-Jean lundi lancé un appel by autorité ministère santé publique ak population yo pour faire intervention dans l'hôpital public Jérémy qui gen problème médecin ak matériel. À cause problème ça, Emmanuel Adolphe, yon jeune dame 33 l'année qui était enceinte, perdit la ville selon parlementaire. Un dossier qui t'a déjà devant la justice d'après précision député Jérémy Gladys Saint-Jean lundi. Il extrait toujours dans micro Fédéan confident avec Moïse Wilbridge. Nous apprenons la mort et Manila Adolphe, une jeune femme 33 l'année qui était plein avenir devant lui, qui était allée faire couche dans l'hôpital Saint-Antoine de Jérémy, qui c'est le seul hôpital de référence que nous gagnons, que malheureusement en pile monde dans la population jugé que femme ça li paté bénéficier soins nécessaires que li té doit joindre dans l'hôpital là pour té empêcher que li mouri et li mouri avec toute petite là en dedans ventre li. Donc moi crois c'est moment pour que nous condamnel et pour nous tout et partager peine là et voyez sympathie nous by parents et victimes là by amis yo by familio et by tout collègue qui dans faculté et dans Jérémy qui yo même a supporté dossier ça. Gen pile version qui bail parce que l'hôpital l'a dit yo même yo te fait rapport pour dame nan et yo te et en même temps et ouvri et te prodigué li de soins que qualité nécessité mais et tendance à li partager dans la mesure où en pile moun dans communauté a jugé que te gen négligence nan et prodiguer soins à dame.
Donc moi-même pensé en tant que femme, en tant que parlementaire et en tant que présidente commission conditions féminines et équité de genre, il est de bon ton pour que nous fassions appel non seulement à la population pour nous demander pour garder calme, étant donné que le dossier a été porté déjà par devant le tribunal. Donc, il y a deux commissaires du gouvernement qui désignent sous dossier. Donc, je demande que vous été avec calme pour attendre que le commissaire du gouvernement fait suivi dossier. Il y a appel à la santé publique pour que l'y prend disposition pour nommer mon. Parce que je connais un pile spécialiste qui c'est de Timoun Jérémy, qui formait n'importe où prince et qui formait à l'étranger, qui disposait de tourner dans grand temps pour y aller service à la communauté dans l'hôpital Saint-Antoine de Jérémy. Donc, nous avons demandé que le ministre de la Santé publique là fait une petite diligence et nous avons demandé au premier ministre pour que l'y bâille un petit main levé à ce que la nomination soit sortie, de sorte que pour nous connaître l'hôpital Saint-Antoine de Jérémy, il y a non seulement un bloc qui est flambant neuf, mais pour que le bloc ça il y ait de monde et de spécialistes qui pour eux-mêmes capables opérationnels en dedans et l'hôpital là pour bailler population en soins. Campagne vaccination pour contrecarrer maladie diphtérie dans le pays a continué dans le département de l'Ouest. Tout parent qui gagne timoun sorti 1 an, rivé 14 ans, doit mener timoun yo vacciné dans tout espace côté agent santé yo disponible. Directeur départemental sanitaire l'Ouest là Martial Benèche souhaite tout responsable l'école au soir orphelinat yo ouvrir espace yo bay agent yo dans l'idée pour faciliter travail la fête puis bien. Rodney d'Orléans a dit nous plus dans reportage. Fièvre, gorge fait mal ou soit gorge enflée, c'est quelque parmi divers signes yon moun capable remarquer s'il t'arrive attraper maladie ça. Dans ce sens, li important pour moun qui t'a remarqué signe ak symptôme sa yo, aller dans cette santé qui pi près a. On moun capable gen gorge li a fait mal, li capable gen la fièvre là et puis c'est pas diphtérie. Donc c'est pour ça jodi an, on moun ki gen signe ça ou cap garder télévision nationale, on ti moun, on moun wè gen ni, faut aller dans cette santé, dans structure santé qui pi près a. Pour médecin ou infirmier ou en un mot personnel soignant ou bien personnel médical là capable confirmer ou bien infirmer diagnostic ça. Gen 8 départements qui exposés à épidémie diphtérie. Cette là d'ailleurs déjà touché dans campagne vaccination. Département l'Ouest là, c'est 8e et puis dernier département côté campagne ça a continué. Directeur départemental sanitaire l'Ouest là, Martial Benèche, encourager parents et directeur l'école dans département ça. Fait si moun yo prend vaccin, yon manye pour empêcher yo trape maladie sa. C'est l'Ouest là qui pigou et moussoua, c'est-à-dire c'est là qui a plus moun. Donc c'est là tout, nous obligé de concentrer plus d'efforts, puisque si on département de département de NIP réalise objectif li à 100%, et puis l'Ouest là réalise objectif li à 50%, le yo additionne l'Ouest là avec NIP là, donc la baisser puisque c'est la gagne plus monde. Donc c'est pour ça que je dis gagne plus que 3000 équipes. Chaque équipe yo gagne 4 ou bien 5 monde là-dedans qui déployé dans divers communes qui étaient notifiés kayo pour nous capables faire campagne ça. Faut que parents yo mène vaccin. Côté nous porter service là-bas yo dans l'école yo dans crèche yo dans orphelinat yo quitter yo bay ti moun yo vaccin yo l'état prend pile disposition administration Moïse Lafontaine prend pile disposition ministre santé prend pile disposition nous même dans direction départementale là ensemble avec tout monde nous prend toute disposition pour non seulement vaccin disponible mais gon équipe tout qui porter service là ça 60 millions de gourdes environ. C'est quantité l'argent l'état haïtien avec participation plusieurs autres partenaires était disponible pour réaliser campagne ça sous 8 départements qui touchés dans l'épidémie ça. Ministre intérieur collectivité territoriale là Max Rodolphe Saint-Albin remettre un lot matériel mardi 10 avril là dans Ansavo département NIP dans cadre caravane changement. Ministre Saint-Albin mandé population à pour aider au protéger équipement yo qui là pour faire travail département. Plusieurs membres partisans PHTK étaient présents pour accueillir équipement ça yo. Nous invitons à suivre un extrait. Ce n'est pas affaire honorable, député, sénateur ou bien kasek, azek, magistrat. C'est affaire nous toutes liées. Nous voulons tant pris équipement ça que nous pouvons même fin payer, que nous commençons à payer, nous comptons très bien. Son crédit que le président Jovenel Moïse demandé, qui commence à payer par morceau. Tant pris, veillez sur eux, protégez eux, tant pris. Ce n'est pas affaire
pas président lié, c'est ça fait nous tous. Bien sûr, aider l'équipe là, aider le directeur départemental là, TPTC, aider l'équipe coordination de la vanne que nous salué pour nous dire qu'elle n'a pas la guerre, nous tous avec nous, veillez sur nous. Équipe, messieurs, mesdames, qui travaillent sur l'équipement, aider nous, loger nous, faire un coup droit avec nous. Les rives, c'est pour nous. Yo fait des gros sacrifices, yo qui paye madame, yo qui paye petite, yo qui paye famille, yo vient mettre au service nous là. Tant prie, aidez yo, bah yo manger, bah yo de l'eau, hébergez yo si condition pas bon. Soutenez yo parce que le travail a fait à d'autres. Nous pas jamais nous-mêmes le gouvernement qui a assez de moyens, assez d'argent pour nous payer moun sa yo, parce que moun sa yo c'est des héros. Moi je veux dire nous, car avant jodi ya, nous n'en savons. Nous pouvons aller en eau, nous pouvons aller à l'asile pour nous arriver vieux Boudaké. Je veux dire, nous, pour l'autre côté, prends cœur, nous connaissons nos patients. Mais prends patience, le président Jovenel te promet nous. Caravane privée dans tout département. La priorité à Kounien, c'est où est lié aux communes, une à l'autre. Côté qui ne va jamais gagner route, commune qui ne va jamais communiquer une à l'autre pour sa fête. Et ensuite, pour Jean-Président te promettre, nous n'avons pas besoin de fatiguer, nous n'avons pas connecter la section yo avec nous-mêmes. De façon pour que, après 4 ans qui étaient, Jean-Président remédie à raison de 1000 km, à raison de 100 km par département, la bombe 1000 km par an, fois 4 ans qui étaient, la bombe 4000 km. Je dis, c'est ça, Président te promettre, et c'est ça qu'a fait. C'est le moment pour nous observer un coup de pause dans le journal. L'arrêté branché, n'a pas tourné tout de suite après. Dans le pays de l'autre bord de l'eau, les Nations Unies par arrivé joindre un nouveau mécanisme pour mener enquête sur le régime Bachar al-Assad là, sur l'utilisation présumée des armes chimiques en Syrie. Suivi en reportage. Washington propose à Conseil sécurité Nations Unies en création d'un nouveau mécanisme enquête indépendant sur les armes chimiques en Syrie. Washington fait proposition ça pour une année. Moscou propose tout un projet ça qui permet à Conseil sécurité après une dernière décision côté le cas validé ou bien non conclusion enquête là. Projet ça pas arrivé joindre majorité 9 voix nécessaires pour adoption. Nations Unies pas aucun mécanisme enquête encore sur armes chimiques dans Syrie depuis Moscou te vient opposer la renouvellement. Dans le mois de novembre passé, depuis le commencement de la guerre, la Russie a déjà opposé 12 veto sur le sujet de la Syrie. Toujours dans le pays de l'autre bord de l'eau, un avion militaire transport algérien écrasé mercredi 11 avril 2018. Là. D'après un bilan provisoire, 157 personnes ont perdu l'avion. Suivons l'autre reportage. D'après l'agence presse, service algérien APS et divers médias algériens, un avion militaire transport algérien écrasé mercredi 11 avril. Là. Après décollage de tout près base aérien Boufarik, qui est situé à une trentaine de kilomètres dans le sud capitale là, Alger. D'après un bilan provisoire, 257 personnes ont perdu la vie. D'après le ministère de la Défense algérien, parmi 257 victimes, 10 membres d'équipage, passagers, c'était personnel de la mer et membres de famille. Avion 1, un Ilyushin I-1-76, qui a une capacité maximale évaluée à 140 passagers. Dans le mois de février 2014, plusieurs militaires approchés ont joué dans l'envoi d'un accident de Hercule, c'est -130. Dans le dossier sport, volleyball, l'équipe magique là, fait une victoire sur volley 2000 week-end qui saute passé. Dans l'occasion, c'est retour championnat régulier Ligue Volleyball Région Ouest d'Haïti. Et puis à l'étranger, Ligue des Champions, Juventus Real, Bayern Munich, FC Séville, c'est de l'autre quart de finale compétition ça qu'a fait jeudi. Nous invitons à suivre. Magique pour revanche li sous équipe volley 2000 là qui était battu dans premier tour Ligue Volleyball Région Ouest là. Journée samedi 7 avril passé à dans gymnasium Vincent qui trouvait le Nayo Romain. Dans l'occasion, deuxième tour championnat Ligue Volleyball Région Ouest-Lan, Volley 2000 qui était bien démarré match là, a gagné premier et troisième set là pour te prendre contrôle match là. Magique te paraît avec une autre motivation pour remporter deuxième, quatrième et cinquième set là pour gagner match là 3-7 à 2, 17-25, 25-18, 23-25, 25-20, 15-18. Nous manquons agressif dans le match. Mais nous n'avons pas jamais perdu confiance. Depuis que nous avons été en train de faire le match. Mais nous continuons dans l'équipe parce que nous manquons réagir, nous ne pouvons pas comprendre ce qu'a fait ça. Bon, par contre, c'est tout touche coach qui manquait.
Mais parfois, c'est un coach qui est imposé dans l'équipe. Même si c'est un coach qui travaille, il me connaît un bon coach, il me connaît un négo tout. Dans l'autre match qui était joué le week-end passé dans le deuxième tour de Ligue Volleyball Région Westland, en première division, côté Monsieur Yo, Tigers bat Atlanta 3-7-0, 25-9, 25-8, 25-18. En dimanche 8 avril, la Camille Monsieur Yo, Apex malmené Malfini Rouge 3-7-0, 25-23, 25-19, 25-15 et Unasmo bat Benzaï 3-7-1, 25-20, 18-25, 25-15, 25-19. L'autre information, Apollo All-Stars, AHF, PNH Sojibank, c'est des matchs qui étaient à l'affiche pour commencer playoff 10e édition championnat basketball corporatif LAN HBAC, journée samedi 7 avril passé dans le local Centre Formation Classique CFCA qui trouvait le Babiol. Apollo All-Stars bat AHF 86-62 et Sojibank bat PNH 85-76. Ces playoffs yo a continué, journée samedi 14 avril cap vini là côté Onan a affronté AHF à 4h30 et Durmega pral face pour face avec PNH à 6h30. Environ 500 familles dans la commune Les Anglais, département Sud, recevront pendant le week-end un appareil de météo à la Caillou dans le cadre du programme Caillou. Le président de chambre député a souhaité qu'il passe mes qui fait avant longtemps dans le cabinet ministériel. Le député Garibodo fait connaître déjà rencontré le président Jovenel Moïse sous dossier ça. Doit un tribunal première instance Saint-Marc, M. Noé Pierre-Louis Massillon, réélu comme représentant tribunal première instance dans le Conseil supérieur du droit judiciaire CSPJ dans le cadre d'élection qui est organisée mardi 10 avril. Voilà, amis téléspectateurs, c'est la journée à la bout pour jeudi. Merci pour fidélité et attention. Restez branchés pour suivre cette programmation. Bonsoir tout le monde.